Bienvenue pour ce dernier raconte-moi de l'année. Voilà, une belle année qui va se conclure de belle façon, donc avec Christina Onassis. Voilà, alors on a pris, donc la voici, et je partage l'écran. Vous le voyez? Allez, vous la voyez? Vous voyez l'écran partagé? Oui. Très Très bien. bien. Alors on peut y aller. Donc évidemment, c'est assez curieux parce qu'elle est Sagittaire, mais à cause du décalage du calendrier, on aurait dû faire du Capricorne aujourd'hui. Mais bon, avec le décalage, elle est Sagittaire. Et puis comme on s'en tient toujours à la saison, hein, on fait Scorpion, puis là, bon, Sagittaire. Donc voici, vous la connaissez certainement, Christina Onassis, c'est la fille du célèbre armateur Aristote Onassis. Donc on va évoquer sa vie. Elle est une vie, vous savez bien, un peu triste, mais toujours dans le, même si elle n'est plus là, mais dans le respect de la personne et de ce qu'elle a été, d'autant plus on n'y était pas au jour le jour. Alors, on voit sur son thème, je vous ai mis les deux thèmes, hein, comme ça va vous aider. Donc, Soleil Sagittaire en maison 8, il est tout à fait au bord là, de la maison 8, donc on le considère en maison 8. Conjoint à Chiron, je trouve que cette carte-là est plus lisible. Pallas, Vénus et Mercure qui est déjà passé en Capricorne mais qui est quand même en maison 8. Donc une maison 8 très chargée. Jupiter, maître de son Sagittaire, est là-haut très important en domicile en Poissons en maison 11. Ascendant Taureau et Vénus évidemment dans cette maison 8 qui est carré à Saturne. Alors carré hors signe hein, puisque Vénus est en Capricorne et Saturne en Balance. Mais enfin, ça fait. Non, non, pardon, Vénus est en Sagittaire et Saturne est en Balance, mais ça fait tout de même un carré. Et cette Vénus trigone à Pluton, on va voir tout ce que ça veut dire, évidemment. Pluton est là, hein, ce grand trigone, encadré cette Vénus très importante de Pallas et de Mercure. Je vous ai un petit peu montré ce qui était très important ici. Alors, elle est la fille unique, non, enfin, elle est l'unique héritière, mais elle n'est pas la fille unique, elle est l'unique héritière d'Aristote Onassis. Et Aristote Onassis, il est né en Turquie, c'est un Turc qui est devenu grec quand sa famille a fui la Turquie. Et il faut savoir qu'en grec, paraît-il, un Turc, ça veut dire, c'est une insulte. Donc, il veut toujours sortir de sa condition d'exilé turc, très pauvre, qui sont arrivés avec rien. Et qui s'est élevé, on le sait, il n'avait aucune manière, il était rustre, il était brutal, il est absolument génial, puissant, vantard, mal dégrossi et surtout redoutable en affaires. Donc voici Onassis, absolument milliardaire, mais on va dire à l'état brut. Et toujours ce complexe d'être un immigré qui est arrivé avec rien. Et sa mère, par contre, la voici, Tina Livanos, qui épouse son père lorsqu'elle a 17 ans et lui en a 46. Elle est extrêmement belle et elle représente pour Onassis un aboutissement. C'est le petit gars qui n'avait rien et qui épouse une fille de milliardaire, une famille d'armateurs richissime, les Livanos, et vraiment des concurrents, qui va vouloir piétiner. Et donc, épouser leur fille, c'est la victoire suprême. Les Livanos le méprisent, mais quand il va devenir richissime, ils ne peuvent plus lui refuser Tina, qui est, vous voyez comme elle est belle, magnifique, etc. Il veut une épouse grecque, riche et très belle, qui reste à la maison, qui garde les enfants, qui lui sert de faire-valoir, qui couvre de bijoux, mais surtout qui l'attende. Alors il est mal tombé parce que cette femme est très narcissique, elle sait qu'elle est très belle, très indépendante, elle a quand même 30 ans de moins que lui, et lui est extrêmement infidèle. En fait, c'est un voyou d'un port, des ports, vous voyez, il vit comme ça. Mais il la couvre de bijoux, il l'exhibe, la trompe comme un marin dans les ports, et lui vend des super tankers pendant qu'elle, elle fait sa beauté. Alors la famille, vous voyez, la famille, on la voit là, la famille avec ce Pluton en 4, la famille de Christina. Ben, c'est vraiment la tragédie grecque d'un début à l'autre. Ils ont ce garçon, Alexandre, le grand frère, l'aîné, ils sont parfaitement heureux avec ce frère, ils n'en veulent pas d'autre. C'est quand même embêtant, le père n'en veut pas d'autre, Alexandre lui suffit. Et puis elle n'en veut pas d'autre non plus, mais
De fait d'avoir encore un enfant, il paraît que ça garde une femme jeune. Tant qu'elle a des enfants, ça garde les femmes plus jeunes. Donc si ça peut la garder plus belle et plus jeune plus longtemps, tant mieux. Et elle craint l'avortement, parce que si elle avortait, qu'elle ne puisse plus, si on saccage l'avortement, elle ne peut plus se remarier. Au cas où elle voudrait se remarier, elle ne pourrait pas se remarier. Et donc, elle louperait toutes ses chances futures, peut-être. Donc, c'est une femme très pragmatique, très ambitieuse et qui décide de garder l'enfant coûte que coûte. Alors, la pointe de la maison 9 en astrologie, vraiment ce point-là, c'est la conception. Qu'est-ce qu'on a? C'est le point de la conception, la maison 9 ici, si on va jusqu'ici, la naissance. Et donc, on a Cérès exactement au moment de sa conception. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit, une mère pratique, pragmatique, raisonnable. Cérès, il est domicilié en Vierge, il va garder l'enfant. Parce que c'est raisonnable. Et donc, ça va rendre Christina comme ça, et l'ascendant taureau, avec ce grand triangle de terre, va aussi à son tour en faire une femme d'affaires tout à fait valable quand ce sera son tour. Elle a conscience de ce qui doit être fait, cette femme. On va garder l'enfant par devoir, pour ainsi dire par hygiène. C'est une femme maniaque, frustrée, aigre. Voilà ce que nous dit ce Cérès en Capricorne. Il y a une immense rigidité avec l'opposition ici entre Cérès et Uranus. Elle veut se sentir libre coûte que coûte. Voilà comment sa mère se ressent au moment de la conception de la fille. Et on a cette lune, donc cette mère en Capricorne qui applique à Mars, c'est-à-dire cette femme, c'est une machine de guerre. Mars est exalté en Capricorne. Elle est froide. Et puis, donc, elle ne veut pas de cette fille. Or, il se trouve que cette petite est assez disgracieuse. Elle ressemble à un petit pruneau. Elle ressemble à son père. Évidemment, le père des deux, c'est sa mère qui est plus belle. Donc, elle rejette un peu cette petite qui va toujours ressentir le rejet de sa mère et qui ne va rien, qui ne va, ça ne va pas l'aider à acquérir la grâce et de se sentir bien et de se sentir valorisée et de se sentir aimée. Et du coup, elle a toujours des cernes, elle a toujours les yeux cernés. Et donc, elle va, même après, se faire opérer des cernes. Donc, ce manque d'estime de soi, c'est vraiment la petite fille, c'est Vénus, cette petite fille, carré Saturne. Et d'autant, c'est surtout que Vénus est maître d'ascendant. Et donc, ce maître d'ascendant, carré à Saturne, frustration, on ne m'aime pas, et elle a dit plus tard, mais si ma mère m'avait aimée, j'aurais été une autre personne, je me serais considérée, j'aurais eu l'estime de moi-même et j'aurais pas tourné comme j'ai tourné dans ce gros malheur et cette grosse difficulté. Lune carré Neptune, elle n'est absolument pas la mère dont elle rêve. Alors son père, il est son père, il y a une image de père extrêmement importante, ce soleil conjoint à Chiron, c'est celui qui va faire mal et auprès de qui on va avoir le soutien, enfin la guérison des blessures. Et lui va lui donner tout ce que l'argent peut offrir. Et comme il est multimilliardaire, aucun des deux parents ne s'occupe des enfants. Ils sont très seuls avec des domestiques et des montagnes de jouets. Il y a de la visite derrière moi. Et les jouets les plus sophistiqués, les plus chers qui puissent exister, mais ils sont absolument seuls. Et donc, elle est en plus, voyez, cette Vénus, donc elle, hein, maître d'ascendant et conjoint à Pallas. Pallas, j'avais déjà dit pour quelqu'un d'autre, c'est la fille préférée du père. Donc, elle veut être la fille préférée du père, et c'est ce qu'elle est. Mais elle veut être la préférée du père. Elle admet sa mère, et c'est tout. Et on va voir plus tard comme ça va lui être douloureux. Alors ils sont tous les deux tout seuls avec une horde de domestiques. Ils les tyrannisent, les domestiques, évidemment. Alexandre, ils sont tout seuls et les parents ne sont jamais là. Alexandre fait des tas de bêtises. Le grand frère, il fait beaucoup de bêtises. Et elle, pour qu'on s'occupe d'elle, elle va choisir de devenir muette. Elle ne parle plus. Là, puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus. Elle se réfugie dans le silence. On voit Vesta en maison 12. Et donc, son Mercure, ici, la parole, il est hors limite. Donc, ça va être tout à fait extraordinaire qu'une petite de 5 ans ait la volonté de ne plus dire un mot. C'est au point que les domestiques disent à sa mère de rentrer.
et d'aller s'occuper d'elle. Et donc, ça va rendre ces Mercure hors limite extraordinaire, ça va rendre extraordinaire cette maison 2. En effet, c'est une fille de milliardaire. Et c'est extraordinaire pour le peu de confiance qu'elle a en elle. Et aussi, c'est l'argent aussi, la maison 2. Et aussi la maison 5, c'est-à-dire tous ses amours et ses aventures amoureuses. C'est l'angoisse de Mercure ici, en maison 8. La petite enfance, à Mercure, c'est l'enfant, le petit enfant qu'on porte en soi toute sa vie, l'enfant intérieur. Et puis cette lune en Capricorne, elle est maître de 3. Donc on parle en 3. Et cette lune est en Capricorne, donc je prends mes distances. Elle applique à Mars et ce sera mon arme par ce manque de communication et cette distance et cette froideur. Alors, à 5 ans, elle boude, elle ne parle plus du tout. C'est comme extraordinaire, une volonté pareille. Et plus tard, elle va garder, même si elle est guérie, elle va reparler, mais elle va être une personne très distante et très froide qu'on ne peut pas approcher. Elle va garder ça, cette distance Lune-Mars. Le trigone. Pardon, mon téléphone sonne, je ne veux pas. En plus, cette lune est trigone au nœud nord, en poisson. Donc, c'est une façon aussi, pour ainsi dire exact, une façon de souffrir avec ce nœud nord en poisson. Et la maison 11, c'est l'amour reçu, l'amour espéré. Donc, elle voudrait, avec ses émotions meurtries et froides du Capricorne qui applique à Mars, recevoir de l'amour. C'est ça que ça veut dire, ce sextile au nœud nord en 11. Cette lune est aussi trigone à l'ascendant. Voilà comment je vais m'exprimer. Comme je vous ai dit, c'est à moyenne pression puisqu'elle applique à Mars. Elle est aussi sextile au Soleil, cette lune. Alors, les deux parents ne s'entendent absolument pas parce que souvent on dit sextile, lune, Soleil, les parents s'entendent. C'est elle, la petite, qui veut attirer l'attention de son père qui est son héros absolu. Aucun homme ne va être à la hauteur de son père, ça ne vaut sa vitalité, son esprit, son enthousiasme, son génie dans les affaires. Il a un charisme formidable. Il est très laid, enfin, bon, on pourrait dire qu'il est très laid, peut-être qu'il ne l'était pas en vrai, mais il a tellement de puissance un charisme formidable, ça, il n'y a rien à faire. Donc, c'est elle qui veut son père comme ça. Et la lune. Carré Neptune, sa mère n'est jamais là et ne s'occupe pas d'elle et elle est toujours partie en croulant sous les diamants que le père lui offre. La mère n'est jamais là. Donc c'est ça on pourrait dire en astrologie, peut-être elle l'a dit, si ma mère m'avait aimé, ça aurait été différent. Le carré de maître d'ascendant à Saturne. Et alors elle est toujours mal fagotée, elle est pas taude, elle est pas belle, etc. Et son père est parfaitement indifférent à son mal-être. Hein. Évidemment, elle se sent abandonnée, Vénus mal aimée, et en plus, il fallait qu'elle ait de l'amour puisque Vénus était carrée à l'axe des nœuds. Vous voyez, 26, c'était extrêmement important qu'elle accepte son corps avec cet ascendant taureau et qu'elle ait l'amour. Alors, les deux parents, les voilà, je vous les mets là comme ça, encore, voilà sa mère, vous voyez comme elle est belle à côté de son mari. Mais ils vont cultiver, c'est la tragédie grecque, tout du long, la jalousie et la rancœur. D'abord, elle a 30 ans de moins que lui, hein, elle est magnifique, et elle le sait. Donc Aristote, comme vous le savez, va fréquenter la Callas. Elle est Sagittaire aussi, d'ailleurs. Et sa mère, catastrophe, les surprend, une vraie tragédie, sur le yacht. La Callas, sur un canapé, avec Aristote. Alors, elle va kidnapper les enfants, c'est tout à fait encore une pièce de théâtre, comme monnaie d'échange, et elle veut divorcer. Lui, Aristote ne veut pas. Il veut garder son ménage idéal, le foyer idéal, la femme grecque. Il est très conservateur, très conformiste, complètement soumise à son mari, et il ne veut pas divorcer. Il veut son ménage et la Callas. De toute façon, même lorsqu'il a fréquenté la Maria Callas, il l'a trompée aussi, elle aussi. Aucune femme ne lui résistait de toute façon. Mais finalement, le divorce est prononcé en 1960 et elle dit à 9 ans et demi, au moment du divorce, sa vie s'est effondrée et là, j'ai grandi et je suis devenue adulte d'un seul coup. Le jugement précise qu'ils vivront 6 mois avec leur père et 6 mois avec leur mère. À vrai dire, ils vivent pas avec leur père puisque leur père n'est jamais là. Donc c'est plutôt pension suisse contre pension suisse.
Mais à ce moment-là, la lune va être ici, au milieu du ciel. Et donc, elle dit, je suis devenue adulte. Donc, ça veut dire beaucoup de déménagements aussi, beaucoup de trajets, parce que la lune est maître de trois, hein, et elle est, Christina, extrêmement jalouse. C'est une personne jalouse. C'est peut-être le trigone Vénus-Pluton. La première chose qu'elle va faire quand son père sera mort, c'est de vendre ce yacht sur lequel, enfin, sur lequel la calasse a été trouvée par sa mère, et la cause du divorce et de l'écroulement de la famille. Cet écroulement de la famille, c'est aussi Pluton en maison 4. Ce Pluton-là, vous pouvez le prendre dans tous les sens de Pluton. La manipulation, l'argent, la mort, la destruction, la renaissance, le pouvoir, tout ça est vrai en ce qui concerne l'enfance de Christina et le foyer qu'elle va avoir aussi. Alors, elle reste, elle a pris maintenant, donc sa mère va se remarier avec John Churchill. Il est de la famille de Churchill et il est propriétaire, c'est un aristocrate anglais. Il a le plus beau château et le plus grand château en Angleterre après Buckingham, après les châteaux de la reine. Donc c'est quelqu'un de très riche. Et là, elle va être assez heureuse parce que ça va faire une espèce de, enfin, il ne faut pas imaginer comme maintenant, mais une famille recomposée. Il y a deux enfants et donc quand elle quitte le pensionnat pendant les vacances, elle retrouve sa mère en Angleterre et elle est heureuse d'être avec les enfants de cet homme-là. Et ça, alors, où est-ce que je l'ai trouvé? Parce que ça se voit dans son thème. À ce moment-là, voyez, elle a cette lune noire en Gémeaux. Donc, elle est heureuse de pas. Ah oui, à 10 ans, l'ascendant. Attendez, moi, j'ai vos têtes là sur ma carte. Voilà. À 10 ans, voilà ce qui se passe. Voyez, l'ascendant arrive sur cette lune noire en 10. Et donc, là, elle est en Gémeaux. Je suis obligée de partager encore ma mère avec d'autres enfants. Et de vivre. Enfin, c'est une idée hein, que j'ai trouvée pour dire pourquoi il y a 10 degrés entre l'ascendant et la lune noire. Et hop, c'est en Gémeaux. Et donc, une nouvelle fratrie avec laquelle elle va, elle aime être. Elle aurait voulu vivre une vie simple à la campagne. Et la vie, évidemment, toujours ce qu'on n'a pas. Une vie simple avec les animaux et ses parents avec elle. Donc, là, avec les enfants de cet homme, de cet aristocrate, voilà ce que ça offre pour elle. Une nouvelle fratrie. Hein. Et aussi cette lune là-haut, au moment du divorce des parents. Alors, le père, quand il en a assez, donc la mère, elle ne va pas, alors, pour continuer dans la tragédie grecque, hein, la mère, évidemment, au bout de 10 ans, va divorcer de cet homme-là, John, il s'appelle John Spencer Churchill, la famille de Winston Churchill, et elle va épouser l'ancien mari de sa sœur. Elle, Tina, pardon, j'ai avancé trop vite. Elle a épousé Onassis quand elle avait 17 ans. Onassis en avait 46. Eh bien, sa sœur, Tina, s'appelait Tina, sa sœur, elle a épousé Niarchos, un autre amateur extrêmement riche, quand elle avait 15 ans et que Niarchos en avait 37. Or, on dit que Niarchos l'a tuée, l'a assassinée, sa sœur. Eh bien, elle va épouser, une fois que Niarchos est veuf de sa sœur, elle va épouser Niarchos. C'est un peu curieux quand même, hein? Pour vous dire, on est en pleine tragédie grecque. Donc la gamine, la petite, elle sait ça, elle ressent tout ça, tout ce poids sur elle. Qu'est-ce qu'ils sont encore en train de faire? Donc lui, bien sûr, il se lasse au bout d'un. Vous savez bien, hein, il se lasse de la calasse. Il lui faut encore mieux son désir d'ascension sociale, de revanche sur l'exil d'un petit Turc en Grèce. Il va s'intéresser à la plus belle femme, à la femme la plus convoitée du monde, la plus mystérieuse, la plus inaccessible, et une femme voilée. Il aimait les femmes voilées comme en Turquie. Or, Jackie Kennedy est à son voile de veuve, et donc elle est extrêmement attirante pour ce Grec. Et bien entendu, il joue le sauveur. Il va se venger des Américains qu'il avait ruinés. Il y avait eu des histoires avec les supertankers. Et il va épouser Jackie. Alors là, c'était le drame complet. Il y a un contrat très serré et financier, un contrat de mariage. Et il a dit à ses enfants, lui, il va essayer de protéger la fortune de ses deux enfants. Et si vous ne venez pas au mariage, je vous déshérite complètement. Donc ils y vont quand même en tirant une tête terrible. Et bien entendu, d'emblée, elle déteste Jackie Kennedy. Donc elle ne lui parle pas, c'est son arme. Elle reste parfaitement silencieuse.
devant Jackie Kennedy. Alors, elle est extrêmement blessée que son père la préfère à... Elle voudrait son père pour elle toute seule, hein, vous avez compris, avec Pallas et Vénus. Et puis c'est son héros. Alors, elle va faire pareil que lui. Elle va multiplier les conquêtes et comme elle est une des femmes les plus riches du monde, une héritière, la plus grosse héritière du monde, évidemment, c'est pas compliqué de trouver des hommes, des célibataires. Et donc, elle va, pour faire enrager son père, se venger de son père, elle va poursuivre sans relâche, avec obsession, Trigone, plutôt Vénus, sa porte invisible, c'est-à-dire l'endroit de sa blessure, est inguérissable, et sur Pluton, en plein sur Pluton, sur le drame grec, sur la dislocation de la famille, sur l'argent, sur le pouvoir, sur la manipulation, ça nous pollue toute la maison 4 de la lignée, de sa lignée, la maison 4 de sa famille, tous ces environnements-là est pollué par cette porte invisible qui arrive sur Pluton. Ça pollue également tout le lion. Et donc, le soleil, qui est, vous avez vu, en carré exact à Pluton, son père tellement charismatique, tellement fort, c'est 19. Hein. 10... Ah non, pardon, c'est Trigone. Soleil, Trigone, Pluton. Enfin, ça fait rien. Il y a un contact et vous voyez, il est exact. Hein. 19, 19. Alors, le soleil est en maison 8 et Pluton est en maison 4. Vous voyez, ils échangent les maisons. Vous voyez ce que je veux dire. Hein? Voilà. Alors, elle va épouser à Las Vegas pour faire enrager son père. Hein, pour faire enrager son père, elle épouse cet homme-là, beaucoup plus âgé qu'elle. C'est un agent immobilier. Et elle va divorcer après 7 ans de mariage. Et puis là, alors, elle va tout le temps continuer. Donc, c'est là que sa mère épouse Nyarkos, dont je vous ai parlé, l'assassin de sa mère, quand même, il faut le faire. Hein? Donc, on va de drame en drame. Et puis son père, donc le frère, il ne faisait que des bêtises, c'était un jet-setter, trop gâté, sans parents, etc. Abîmé par ses deux parents, et il y avait un vieux coucou, un vieil avion que Onassis avait refusé de remplacer, donc le fils a quand même pris cet avion, et il est mort aux commandes de l'avion. Donc vous savez qu'Onassis était complètement dévasté à ce moment-là, d'avoir perdu l'héritier de la famille. C'est la tragédie familiale absolue, vous les voyez à ce moment-là. Et elle a, elle, à ce moment-là, 23 ans et sa lune est à 23, 23 degrés. Souvent, souvent, le degré de la lune, c'est très important dans une vie de femme. Soit c'est le moment de son premier enfant, soit il se passe quelque chose de très important. Et là, le fils est parti. Elle a énormément de rancune envers son père, qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'avion. Et puis, il va mourir à son tour. Alors, elle est aussi encore là, complètement dévastée. La voilà avec, on voit, elle est intéressante, cette photo, parce qu'elle est ici, complètement dévastée. On voit Jackie Kennedy derrière. Elle ne leur parle pas, elle ne les voit pas du tout. Et Ted Kennedy, qui est aussi venu aux obsèques d'Onassis. Et à ce moment-là, alors qu'elle n'avait aucun talent, alors, enfin, elle se trouvait aucun talent, elle s'intéressait à rien. Elle ne soutenait aucune cause, elle ne s'intéressait pas à l'art, elle ne s'intéressait pas à la littérature, elle était fagotée, elle était toujours ficelée n'importe comment. Et bien finalement, elle va se révéler une très bonne gestionnaire de la fortune. Son père, quand le fils est mort, l'a initiée. Et elle va, voyez, elle a quand même un grand trigone de terre. Eh bien, c'est ta fille qui sait compter. Hein? Et elle va racheter à Jackie Kennedy 27 millions de dollars son héritage. Parce que son père, on dit, voulait divorcer de Jackie, puis finalement, il est mort avant. Or, Jackie Kennedy aurait dû avoir beaucoup plus avec le contrat de mariage, mais elle récupère, 20, elle lui donne 27 millions, ce qui est rien du tout, finalement, et elle peut récupérer l'île de Scorpios et le yacht. Le yacht qu'elle va s'empresser de vendre parce qu'elle ne peut plus le voir. Donc, elle travaille à ce moment-là énormément. Elle prend des antidépresseurs, des amphétamines, des barbituriques, toutes sortes de médicaments déplaisants. Et elle épouse un banquier grec. Tout ça, c'est pour... Bon, son père est mort, mais c'est toujours pour montrer qu'elle aussi, elle peut multiplier, elle peut plaire. Elle veut toujours aimez-moi, aimez-moi. Donc, elle veut plaire. Est-ce que je peux plaire? Et donc, elle épouse un grec, un banquier grec. Ça dure. Le mariage dure. Andréadis.
Elle divorce peu après, et j'ai pas mis combien de temps. Ensuite, histoire extraordinaire, là c'est tout à fait curieux. Elle va tomber amoureuse de Sergueï, c'est un employé dans la société, une société, la flotte marchande soviétique. Il a un rôle tout à fait subalterne. Elle va le faire divorcer, elle en tombe follement amoureuse et elle l'épouse. Et c'est une catastrophe, tout l'Ouest, enfin tout l'Occident se dit, si la fortune Onassis tombe dans les mains, parce qu'on disait qu'il était un agent du KGB, ce gars-là. Donc c'est tout l'Occident qui tombe sous les pattes du KGB, c'était catastrophique. Elle va vivre à Moscou dans un petit appartement avec lui, enfin c'est surréaliste complètement. Le Kremlin a raté la paperasse et finalement bon, elle arrive à l'épouser, elle vit en Russie. Sa famille est effarée, tout le monde est effaré, les Américains sont effarés. Enfin, bon. Avec une fortune pareille, avec qui elle se marie, ça intéresse toute la planète et c'est l'affaire de tous les chefs d'État. Elle finit par rentrer à Athènes, elle divorce et en compensation à son petit mari qu'elle a laissé en Russie, elle lui donne un pétrolier hein, pour le consoler. Donc ce gars-là, c'était le jackpot. Hein. Il était un petit employé de rien du tout et il s'est retrouvé avec un pétrolier. Alors, à chaque fois, c'est un échec. À chaque fois, elle est bafouée par les gars qui voient bien qu'elle n'a pas, elle a si peu d'estime d'elle-même. Les mariages loupent. Elle grossit, elle grossit, elle grossit beaucoup. Elle grossit toujours. Alors, évidemment, l'ascendant taureau, parfois, ça fait grossir. Et là, elle tombe sur lui, Thierry Roussel, des produits pharmaceutiques. Il est très beau, c'est un jet-setter, il est très riche. Il lui dit, ben, je veux bien t'épouser si tu perds 40 kilos, parce qu'elle était devenue énorme. 40 kilos, c'est quand même de la torture, ça je trouve que c'est de la torture. Elle maigrit parce qu'évidemment, elle fréquente toutes les cliniques d'hygiène et d'amaigrissement d'Europe, d'Espagne, de Suisse, etc. Elle se marie en 84 et elle a sa fille, Athénia, qu'on va appeler Koukla, qui veut dire chérie. Athéna, on l'appelle Athéna, mais on l'appelle Koukla. Et elle, avec perdre 40 kilos et vouloir en perdre encore 30, ne rien manger, faire des régimes qui loupent, elle se fait livrer par avion du Coca-Cola d'Amérique. Je crois 100 litres de Coca par semaine qu'on lui livre directement des États-Unis. Alors elle boit du Coca, elle ne mange rien, elle est très mal. Elle cherche l'amour absolument de Thierry Roussel, mais il lui court, il est très cavaleur. Alors, elle est colérique, elle est instable, elle est complètement invivable elle-même, excessive, évidemment, Sagittaire, hein, excessive, mais c'est comme si elle avait pris tout le côté, le revers de la médaille du Sagittaire, boulimique, après elle est anorexique, elle fait des régimes, elle est insupportable, elle veut tout, elle veut trop, mais elle ne veut pas ce qu'il faudrait. Alors, elle est excessivement attachée à sa fille, elle aime beaucoup sa fille, elle s'en occupe. De façon, pour ainsi dire, maniaque. Elle appelle tout le temps les gouvernantes, savoir exactement ce qu'elle fait toute la journée. Comme à un moment, je sais pas, elle va en Argentine. Je ne sais pas pourquoi elle va en Argentine. Elle est bien en Argentine, elle est heureuse. Et puis, elle va mourir d'une crise cardiaque. Elle va divorcer Thierry Roussel et mourir d'une crise cardiaque en Argentine, dans son bain. Voilà, trouvée un matin dans son bain, morte en Argentine d'une crise cardiaque. Et à ce moment-là, son soleil en direction symbolique arrive sur Mars et sa lune en direction symbolique sur Jupiter. Jupiter qui est quand même maître de sa maison 8. Voilà. Donc elle n'a que 38 ans et sa vie n'a été qu'une poursuite, de l'amour. Aimez-moi, je voudrais qu'on m'aime. Voilà ce que disait son thème avec ce nœud nord en poisson en 11. Alors, on voit que Mars, pourquoi le Soleil qui arrive sur Mars, ça marque la fin de sa vie, si on veut, c'est qu'il est maître de la 12, hein, la fin des choses aussi, et c'est la planète la plus élevée du thème. Uranus, qui était opposé à Cérès, comme je vous ai dit, qui donnait une excessive rigidité, Uranus, cette mort subite et rétrograde, hors limite, lui aussi, cet Uranus. Maître de son destin, hein, de ce qu'allait se passer, et maître de sa 10, une image publique absolument hors norme, comme cet Uranus, hors limite.
Et c'est aussi la première planète qui va se lever. Hein? C'est la première planète qui va se lever. Et il est rétrograde et il restera rétrograde toute sa vie. Alors, elle a de belles exaltations quand même. Elle avait de quoi faire des choses intéressantes. Elle a Mars en Capricorne, tout là-haut, très, très volontaire, très, très ambitieux, très endurant. Saturne en Balance et Jupiter, magnifique, en domicile, en Poisson aussi, dans une position très élevée. Elle voulait recevoir énormément, elle voulait tout, enfin tout, elle voulait qu'une chose, c'était l'amour de son père et de sa mère, en maison 11. Elle n'a eu que l'argent. Et elle donnait, donc l'amour donné, c'était pour obtenir la confiance, la confirmation de sa propre valeur. Hein? Parce que ce qu'elle donne, c'est vierge, Mercure est là, et Mercure est aussi maître de sa vie. La conscience qu'elle a de sa propre valeur. Donc, elle donne pour se conforter dans l'idée de sa valeur. Ah, ben tiens, tu vois, je suis une fille généreuse, je suis quelqu'un qui peut donner, et donc, tu vas m'aimer. Mercure est donc la maître de la 5, l'amour donné, maître de la 2. Il achètera l'amour, il est maître d'une sud, et elle sait compter. Une sud est à 25 vierges, 24 vierges. La vierge, c'est celle qui sait compter. Je vous ai dit qu'elle était très très bonne en affaires. Alors Jupiter, là-haut, maître du Soleil et Chiron, et quinconce exacte à Saturne. Je donne tout et j'attends tout. Hein? Je peux tout donner à condition de recevoir aussi l'étincelle. Voilà. Et alors elle me fait penser, ça c'est vraiment le mystère de la destinée. Par exemple, le thème astral de Margaret d'Angleterre, la princesse Margaret, elle a peut-être sur 10 planètes, elle en a peut-être 7 qui sont soit en domicile, soit en exaltation. Par exemple, elle est née en août, donc Soleil en Lion, Lune en Cancer, Mercure en Gémeaux, voyez ce que je veux dire? Je ne me souviens plus bien de la liste, mais c'est tout à fait frappant d'avoir de tels atouts de départ et des planètes qui vont jouer à fond leur rôle et qui sont tellement bien placées dans les signes. Et puis, au bout du compte, qu'en fais-tu? Ça ne veut pas dire une question morale, mais ça donne probablement de la puissance, je pense, pour utiliser l'énergie de cette planète dans un sens constructif. Hein? Le Soleil doit rayonner en Lion, vous voyez ce que je veux dire? Vénus doit se régaler en taureau. On a tous les atouts, je dirais. Et là, elle a tout de même, comme je vous ai montré, de belles cartes à jouer. Et tout fut loupé, on pourrait dire, par cette Vénus-Saturne. On pourrait dire ce carré de Saturne au maître d'ascendant. Hein? Et puis, cette lune noire, c'est aussi, je ne parle pas. J'ai envie de dire des choses. Qu'est-ce que je pourrais en dire? Qu'est-ce que je pourrais vous appeler la nuit? Qu'est-ce que je pourrais dire? Et je ne vais pas parler, je vais être muette. Et vous allez voir ce que ça fait, une fille muette, pour attirer l'attention. Et c'est cette ligne noire aussi en Gémeaux. Voilà. Voilà ce que j'ai vu. Mais probablement, vous voyez encore d'autres choses, peut-être. Si vous voulez partager, dire ce que vous pensez de tout ça, hein, avec son thème. Vous avez d'autres idées? Non? Ben, si vous n'avez pas d'autres idées, alors on va passer à la suite, à l'étoile Moi, je vous évolutive. aurais bien posé une question, Oui, si vous oui, m'entendez, excusez-moi. oui. Il y a toujours des aspects qui m'interpellent, j'ai quand même ma définition, mais ce beau triangle-là de trois trigones, comment vous l'expliquez, vous? Il a quoi comme action? J'aurais Eh voulu bien, avoir l'avis d'une spécialiste. Moi, j'ai mon avis, mais si ben vous pouvez développer ça, ce trigone. je suis C'est pas du trois. tout. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'est révélée quand il s'est. Ah, c'est une possibilité, hein. Mais elle s'est révélée quand il s'est agi de tenir les rênes de l'empire de son père quand il est mort. Jamais il lui aurait donné la charge de ses affaires puisqu'elle avait un frère et qu'il est très conservateur. C'est pas une femme qui va être un armateur. Or, il n'y avait plus qu'elle. Et là, elle a été extrêmement bonne. Bon, évidemment, elle était très bien entourée, mais
Elle savait manier les affaires, elle avait un sens pratique. Bon, donc là, c'est un aspect qui donne la possibilité de posséder des biens matériels, puisque vous avez donc ce trigone entre deux signes de terre qui est la matérialisation, les choses de richesse, mais matérialisées. Ce n'est pas des comptes en banque, ça peut être des immeubles ou la porte, du terrain, et des bateaux. Voilà, donc il y a quand même une question de richesse. Vous êtes d'accord Oui, avec moi? moi je dirais ça, oui, je verrais ça comme ça, oui. Oui. Et évidemment, il y a quand même le trigone avec Saturne. Lui, le Saturne, il est quand même en balance. Donc, il y a une question d'union, surtout que ce Neptune est en maison 6. Oui, c'est le travail. Santé, travail, d'accord. Ah non, pardon, Saturne. Saturne est en 5. Donc, 5, c'est quand même la maison des amours. Mais Saturne en 5, pour les amours, c'est pas terrible, hein? C'est qu'on prend ses responsabilités, elle prend ça au sérieux et elle se marie à Ah chaque oui, fois. moi j'ai fait un thème une fois d'une femme qui avait Saturne en maison 5, et bien elle est vieille fille, hein. Oui, Ça ben c'est bloque, pour hein. ça. C'était pas le cas de Narcisse, la fille, hein. Mais malgré tout, je trouve que ça bloque quand même. Oui, mais ses amours Alors, n'étaient pas particulièrement heureuses, hein. oui, c'est ça, oui. Oui, C'était même. Saturne en 5, en plus en balance, c'est quand même pas terrible, hein. Bon, Beaucoup de enfin, frustration frustration quand en même, hein. balance. Oui, il est carré Vénus, mais il est exalté en balance. Elle s'est mariée combien de fois finalement? Quatre. Quatre. Ah ben oui, d'accord, oui, c'est ça. Et à chaque fois, Il y a ça s'est quelque chose qui ne vient terminé. pas dans la longueur. Non. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps, hein. Et carré Bon, Vénus. merci. Excusez-moi Ben de mon non, je vous en interruption. prie, je vous en prie, je vous en prie. Merci. C'est bien d'avoir d'autres idées. Et voyez, on dit que le pétrole, c'est Pluton. Alors là, on y est au sens propre, puisqu'il est en quatre. Et la richesse de la famille, c'est le pétrole des supertankers. Hein? C'est drôle quand l'astrologie est très, très comme ça, très, très, très matérielle, on va dire. On y est là. On est dedans. Oui? Après, au niveau des amours, on peut voir quand même qu'elle a développé une espèce de stratégie de l'échec. En même temps, elle était tellement amoureuse de son père que c'est très difficile pour un autre homme d'être à la hauteur. Donc on a l'impression que de toute façon, quels que soient ses choix, ça ne marchera pas. Ben, c'est-à-dire qu'en plus, il y avait beaucoup de coureurs de dos, comme on disait autrefois. Alors, à l'étrier, quand il y a tous les jeunes gens ou les moins jeunes gens qui vous courent après, à l'étrier, elle n'avait pas peut-être de sens critique. Elle n'était pas armée, cette pauvre gamine, elle n'était pas armée pour voir ce qu'ils voulaient tous, ils voulaient son argent. Et elle, alors, elle a, voilà, comme à chaque fois, elle y croyait, à chaque fois, elle se disait, c'est le grand amour, etc. Mais elle était parfaitement insupportable parce qu'elle prenait beaucoup de médicaments, donc très irritable, très difficile à vivre. Elle a eu une période quand même, je veux dire, 73, 74, 75, qui a été très difficile. Oh. 73, elle perd son père, son frère. Frère, son frère. 74, 74, sa mère, sa mère, 75, son père. d'une overdose quand même, hein, Non, voilà. Et un truc 75, au poumon, non, une crise elle. cardiaque, un emphysème au poumon. Sa mère. Mais Ouais, bon. souvent il est noté comme d'une overdose par rapport à sa maman. Je pense qu'il y a plusieurs sources. Peut-être les deux, hein. Peut-être Peut-être que les deux. l'overdose a fait un Et autre. 75, je veux dire, la photo, on Oui. la voit quand même, cette photo que tu soulignais là, 75, je pense que ça a été pris à l'enterrement du père. On Oui, imagine à c'est l'enterrement du ça, père, oui. elle était dévastée, évidemment. Et puis alors, pour une femme aussi riche, il paraît. Enfin, je me souviens que j'avais lu ça à l'époque, dans Paris Match, ou je sais pas, mais elle avait son ourlet déchiré. Elle est venue comme une. Enfin, elle aurait déchiré le manteau avec des poils de chien dessus. Enfin, un sac éraflé, on n'aurait jamais dit une héritière. Ça veut dire qu'il n'y a personne pour lui dire, attends, je vais te recoudre ta robe, tu vas pas partir, je ne sais pas, avec ton col enfilé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait personne pour lui dire, attends, tu vas mettre un manteau qui n'est pas plein de poils. Vous voyez, cette grande solitude, en fait, finalement. La mort du père, ça a dû être
énorme. Je pense aussi que, moi je le vois autour d'Uranus, là, le divorce de la mère, des parents, a dû être un moment très difficile. Oui, 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 oui. puisqu'elle a 9 ans et elle dit, je suis devenue adulte à ce moment-là. Oui, c'est assez curieux parce que de toute façon, ils n'étaient pas là, ils n'étaient jamais là. Ils avaient des vies complètement séparées. Sa mère, elle était toujours dans des soirées, dans des choses très élégantes, pleines de bijoux, etc. Une vie mondaine très, très développée. Et son père était aux affaires, ou alors avec des maîtresses. Enfin, ça va tout ensemble, mais il n'était à la maison ni l'un ni l'autre. N'empêche qu'elle tenait à cette image de parents ensemble, malgré tout. Et alors là, elle a été complètement dévastée. Puis il y a eu, avant qu'ils divorcent vraiment, ça a été très difficile. La mère les a kidnappés. Ils ont fait des pressions l'un avec l'autre à coups de milliards et d'avocats et compagnie. Et qui aurait les enfants? Mais ils ne voulaient pas les enfants pour avoir les enfants, puisqu'ils n'étaient pas avec eux de toute façon. C'était, je te prends tes enfants, je te les prends, c'est pas toi qui les auras. C'était pas, je les veux pour les câliner, puisque de toute façon, elle était en pension en Suisse, dans des pensions très élégantes. Évidemment. Mais c'est, bah tiens, bah je te prends tes gosses. C'était plutôt ça. Je te prive de tes enfants. Vous voyez, c'était très revanchard, très, très jaloux, très, très dramatique l'un et l'autre. C'est une tragédie grecque, toute cette vie. Voilà. Elle n'a pas le côté, on va dire, jovial, heureux d'être du Sagittaire. Hein? Et elle s'est renfermée, elle arrête de parler, vous voyez? C'est curieux, hein? Plutôt en fond de ciel, ça assombrit quand même. Hein. C'est pas la joie à la maison. Ah non, 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 non. C'est compliqué. Il y a beaucoup. Je pense que la sexualité aussi, c'est quelque chose qui doit avoir son importance par certains points. Mais la mort, c'est quand même quelque chose. J'ai vu aussi que, comment dire, elle est enterrée en Grèce sur une île qui s'appelle Scorpios. Oui, bah c'est l'île de son père, oui. Voilà, Scorpio, Scorpion, Pluton, Ah oui, c'est ça que tu on est veux à la dire. maison, on est Ah à la maison. oui, tu as raison, je n'avais pas fait le truc, je n'avais pas fait le rapprochement, tu as parfaitement raison, oui. Je n'avais pas fait le rapprochement, Scorpios. Oui, Scorpios, ça doit vouloir dire Scorpion, je ne sais pas. Oui, bah, tu vois, je n'ai pas cherché. Bon. Catherine, j'ai une petite précision peut-être sur les planètes hors limite là. Et Oui. l'effet, est-ce que ça, enfin, comment tu l'analyses et est-ce que c'est hors limite là, en déclinaison ou en du coup, enfin, comment tu analyses Oui, en ça? déclinaison, oui. Quand ça Oui. fait en dessous, là, ça, si ça fait Oui. plus de 23, 36, elles sont hors limite. Et Oui. du Donc coup, ça là, donne les qualités là, c'est lesquelles extraordinaires. qui est hors limite en déclinaison du coup, je vous parle. Et là, la Lune, Mercure et Uranus, je crois. Donc là, La Lune. l'effet, ça veut dire Ça que veut dire c'est... des qualités. Enfin, l'énergie, elle est extraordinaire. Exceptionnel, Oui, exceptionnel, c'est exactement ça. ok. Pas comme tout le monde, on va se détacher de Mmh. la masse, on va briller ou pas briller, mais que ce soit moche ou magnifique, mais ce sera tout Oui. à fait Extraordinaire. extraordinaire, on va dire. Ok, C'est bien ça que ça super. veut dire. Ok. Donc, elle avait une mère extraordinairement belle, mais extraordinairement absente et extraordinairement pleine de bijoux. Elle dit, quand elle venait me voir, j'avais l'impression de voir arriver un sapin, tellement elle avait des diamants et tellement ça brillait, etc. Et une mère aussi indifférente, et vous voyez, hein, tout ça. Et aussi cet Uranus qui est hors limite, elle a aussi une vie publique, le milieu du ciel en Verseau, ben elle est connue de la planète entière, elle est c'est la plus riche héritière du monde, etc. C'est dans ce sens-là. Merci Catherine. Tu veux continuer, Nathalie? Oui, ben on va commencer l'étoile évolutive. Donc, un petit peu comme à mon habitude, je vais commencer par le poste fondateur, le poste qui est tout en bas, donc le poste 3. Ce poste 3, il est extrêmement important puisqu'il vient parler du programme de vie de l'individu. Donc,
au poste 3 de Christina Onassis, nous voyons un soleil. Alors le soleil, bien sûr, c'est un arcane d'amour, hein, mais c'est aussi un arcane de famille et qui va mettre en relief eh bien, les hommes de la famille. Donc, on pourrait faire l'analogie avec notre soleil astrologique. Donc, bien sûr que le soleil du tarot va représenter aussi le père. Mais peut-être qu'au-delà du père, le soleil, qui est quand même un arcane de fraternité, eh bien, va représenter voilà. aussi le frère. Je vous la Donc, mets plus grosse. C'est plus gros, là. Voilà, déjà, par cette notion-là, eh bien, voilà, on remarque à quel point le père et le frère auront eu une importance fondamentale dans la vie de cette femme. Bien sûr, un arcane d'amour et on va regarder justement dans l'ensemble de son étoile, eh bien, quels arcanes qui représentent l'amour, quels arcanes seront présents. Et là, eh bien, on remarque qu'elle les a tous. Donc, le soleil, bien sûr, dont je viens de vous parler, la force. Au poste 5, alors la force qui est l'arcane 11, donc c'est-à-dire vraiment le mi-parcours, on va dire, du cheminement des 22 arcanes du tarot, la force, c'est vraiment ce besoin de d'être avec l'autre, de s'unir par le mariage, de chercher en l'autre un complément, en fait. Nous avons aussi le pape, alors évidemment, le pape qu'elle a au poste 1 en talent. Donc, le pape qui, lui, est véritablement l'arcane de l'union. Tempérance, qui est un arcane de lien aussi. Mais voilà, on reparlera tout de suite après. Tempérance n'est pas forcément des mieux placés à cet endroit-là, au poste de manque, qui est au poste 4, qui est un poste de manque. Et puis, bien sûr, on a l'arcane de l'amoureux qui est par définition l'arcane affectif. Alors, cet amoureux, il est au poste 10. Dans une étoile évolutive, le poste 10 et le poste 11 viennent nous parler du transgénérationnel. Donc, cette combinaison de ces deux cartes, amoureux et maison Dieu, viennent directement nous renseigner sur le fait que dans la lignée, il y a des problématiques affective, bon, ça, on s'en serait douté quand on connaît un petit peu voilà, leur biographie. Avec l'amoureux, des problématiques de choix, d'engagement, de relations triangulaires, etc., etc. Et l'amoureux au poste 10 nous parle de l'affectif dans le sens que où tout, c'est cette notion où les sentiments viennent nous affecter. C'est-à-dire où l'amour fait mal, en fait, en quelque sorte. Et pour justement pouvoir pallier à cette notion-là, eh bien, au poste 11, nous remarquons la maison Dieu. Donc, la maison Dieu, c'est ce qui a manqué véritablement à cette lignée. Et clairement, ça laisse entendre une certaine forme, je dirais, de conscience ou de pouvoir prendre de la hauteur sur certaines situations affectives, comme si en fait dans cette lignée il y avait une mémoire où la vie affective eh bien, allait être difficile, allait être douloureuse. D'ailleurs, au niveau du thème astrologique, on voit un Saturne, donc si on prend Saturne en tant que passeur ancestral, Saturne il est en balance, hein, en maison 5, donc il vient directement nous renseigner quand même sur un héritage transgénérationnel où l'amour va être douloureux. Donc après, si on regarde les postes de manque justement, donc une étoile évolutive va avoir trois postes de manque, le poste 2, voilà, qui est en bas à gauche, le poste 4, qui est toujours à gauche, mais un petit peu plus haut, et le poste 11. Alors, quand on dit poste de manque, c'est qu'en fait, on va trouver ces arcanes par une différence et non pas par une addition. Et là, on remarque quand même quelque chose d'extrêmement intéressant par rapport à ces trois arcanes, donc l'impératrice au poste 2, tempérance au poste 4 et la maison Dieu au poste 11. Dans une étoile, généralement, on va chercher ce que ces trois arcanes en poste de manque peuvent avoir en commun. Et là, c'est extrêmement flagrant, puisque en fait, ce sont tous des arcanes de communication ou d'expression.
puisque l'impératrice, bien sûr, c'est un arcane d'expression. Tempérance, ben, c'est l'arcane de communication par excellence. Et puis, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, elle a toujours beaucoup d'interprétations, mais une de ces interprétations, c'est quand même cette notion de communication, justement par analogie avec le mythe de la tour de Babel. Et puis, la maison Dieu, c'est toujours la nécessité aussi de libérer la parole. Donc, Catherine vous a parlé que, ben, effectivement, à 5 ans, elle était muette. Et donc, on voit sa difficulté d'expression, d'ailleurs qui pouvait être aussi une arme hein, pour elle, mais à mon avis, un sacré handicap, eh bien, la difficulté à pouvoir s'exprimer, à pouvoir communiquer. Donc, si on peut aussi, dans une étoile, parce qu'une étoile comporte des arcanes secrets, c'est-à-dire des arcanes qu'on ne va pas forcément voir à l'image, mais qui existe quand même. Et ce qui est très intéressant, c'est, pour aller voir les blessures d'un individu, c'est d'additionner ces deux arcanes en poste de manque. Donc, si nous additionnons 14 de tempérance et 3 de l'impératrice, eh bien, nous avons 17. Et 17, c'est l'arcane de l'étoile dans le tarot. Donc, l'étoile, bien sûr, c'est l'éternel féminin, c'est la beauté. Et quand nous avons cet arcane en archive intérieure, c'est-à-dire dans l'addition de deux postes de manque, déjà, ça vient nous parler d'une blessure d'humiliation. Et puis, un manque de confiance en soi particulièrement important. Et aussi, puisque pour ceux qui ont déjà vu cet arcane de l'étoile, où on voit une magnifique jeune femme nue sur la carte, eh bien, bien sûr, quand cette carte se positionne en termes de difficultés, eh bien, ça vient nous parler de la difficile acceptation de son image physique, de son corps. Et nous allons retrouver une autre étoile dans le thème de Onassis, c'est-à-dire de Christina Onassis, c'est-à-dire au poste 14. Et le poste 14, c'est vraiment comment on se présente aux autres. Alors, bien sûr que avec une étoile au poste 14, on aurait pu penser, ben voilà, elle se présente comme quelqu'un de dans son féminin, quelqu'un ayant confiance en elle. Mais cette étoile ayant été quelque part entachée par celle de ses archives intérieures, eh bien du coup, qu'est-ce qu'elle va véhiculer comme image? Elle va y véhiculer principalement l'image de ben, quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle et puis qui ne va pas forcément se présenter sous son meilleur jour parce qu'on a vu des photos d'elle, elle peut être absolument magnifique cette femme, mais voilà, à certains moments, alors de par son poids bien sûr, mais aussi je pense par rapport à sa tristesse et par rapport au fait qu'elle véhicule tellement une mauvaise estime d'elle-même que du coup, ça va interférer aussi sur son physique. Et on peut dire aussi que l'étoile est encadrée par deux arcanes, elle est sanglée, on va dire, très raide. Complètement. Qui empêche justement l'épanouissement de cette étoile. Justice et force qui ont leur qualité, bien sûr, mais elles la rendent rigide. Alors peut-être complètement. Ce qu'elle n'a pas le droit de faire, ce qu'elle devrait faire, enfin, tout ça c'est un point. Ah ben, ça va enlever de cette beauté et de cette légèreté de l'étoile. Effectivement, ça va la rigidifier. Alors, au niveau d'une étoile évolutive, ce qui peut être très intéressant à faire et donc où chacun d'entre vous pourront faire parce que c'est quelque chose d'assez simple, c'est de prendre notre date de naissance et de l'additionner. Et voilà, à ce moment-là, nous allons trouver une année et c'est toujours une année clé, une année phare qui correspond généralement à un événement extrêmement important. Vous savez, ce genre d'événement dans la vie où on considère qu'il y a un avant et un après. Donc, si on additionne le 11 décembre 1950, eh bien, ça nous donne 1973. Et 1973, c'est quoi? C'est la date du décès d'Alexandre, le frère
de Christina. Et alors, la perte de son frère, bien sûr, mais c'est le début de 3 années de deuil, puisque, comme tu le faisais remarquer, Marc, pendant 3 ans, tous les ans, elle perd quelqu'un d'extrêmement proche. Donc, je dirais que c'est un petit peu le début d'une période extrêmement difficile. Alors, bien sûr, on va aussi analyser ce 1973 en arcane de tarot. 1973, si on additionne 1 plus 9 plus 7 plus 3, eh bien, ça nous donne 20. 20, c'est l'arcane du jugement. Et le jugement, c'est une carte de renaissance, certes, mais c'est aussi une carte de culpabilité. Donc, effectivement, je pense que c'est une année phare pour Christina parce que d'un côté, elle reste la seule enfant, en fait, hein, donc du coup la seule héritière. Et là, il y a quelque chose qui peut véritablement se transformer dans sa vie. Mais en même temps, on sent quand même une ombre de culpabilité, alors consciente ou inconsciente. Puis quand on sait que Alexandre s'est tué dans l'avion que le père n'avait pas fait vérifier, on peut imaginer aussi qu'elle puisse porter la culpabilité du père. Alors bien sûr, comme vous l'expliquait Catherine, la vie de Christina Onassis, ça a été quand même beaucoup dans la démesure, hein, avec aussi des antidépresseurs, de l'amphétamine, des barbituriques, etc., des dépendances, hein, médicamenteuses, qu'on voit très clairement avec Tempérance. Tempérance, c'est une carte de dépendance. Et quand Tempérance se trouve dans un poste de manque, eh bien, ça peut être un indice de dépendance. Alors, aux médicaments, à l'alcool, aux drogues, mais aussi aux liens. Et dans le fonctionnement de Christina Onassis, je pense qu'il y avait tellement cette mauvaise estime d'elle-même que toute seule, elle ne se sentait absolument pas suffisante, je dirais. Et donc, du coup, elle allait en permanence chercher le lien affectif, mais qui finalement faisait que l'affecter. On remarque ces deux justices aussi, au poste 13 et au poste 9. Alors j'en parle parce que elles sont quand même, ces deux justices, à des postes très très importants. Ces deux justices peuvent marquer un côté un petit peu obsessionnel, c'est-à-dire, comme on voit sur l'image de la justice, un petit peu avec des œillères, je vois droit devant, j'ai un but qui peut être limite obsessionnel. Et le fait, donc la justice, c'est un arcane de valeur numérique 8. Le fait qu'on en ait deux, eh bien, du coup, on va les additionner, ça va nous donner 16. 16, c'est la maison Dieu. Et peut-être qu'il y a eu une forme, comment dire, obsessionnelle qui aussi a pu mener à une certaine forme de destruction. Alors, ce n'est pas peut-être hein, l'obsession, c'est avéré. Elle Oui. harcelait les hommes. C'était une catastrophe pour un homme, même s'il avait un peu dragué, disons. Elle ne lâchait plus. Elle ne Mais le Madame lâchait Poncet, je plus. prends toujours des précautions oratoires quand je parle des dames. Oui, mais là, ce n'est pas peut-être, Moins hein, pour c'est les sûr. messieurs. Elle était épouvantable. C'était une plaie. On va dire que c'était carrément une plaie. Elle ne lâchait plus le bonhomme jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Elle l'achetait, elle s'en fichait, elle allait lui donner un super tanker, mais elle aurait le bonhomme. Elle était harcelante, comme tu dis, obsessionnelle. Oui, mais la manière dont je l'ai présentée, je pense que tout le monde l'avait aussi compris de cette manière-là. Mais comme ça, voilà, au moins c'est clair. Je trouvais que tu es allé trop soft, tu étais soft. Mais je suis toujours soft, moi. Donc du coup, ça m'a fait perdre mon fil, mais je Pardon. pense que 16, tu j'ai. étais au 16, à la Maison Dieu. Oui, c'est-à-dire que c'est deux justices, parce que quand dans une étoile nous avons deux arcanes identiques, on appelle ça une dualité. Donc vraiment la nécessité de travailler sur la symbolique de cet arcane, parce que sinon c'est que voilà, ça va devenir quelque chose un petit peu d'embêtant. Et c'est pour ça que je parlais de ces deux justices, son côté obsessionnel. Eh bien, on va additionner ces deux justices, ça va nous donner 16, la maison Dieu. Donc effectivement, ce qui va conduire à une forme de destruction. Alors, si vous avez des... Alors, bien sûr, cette étoile a été actualisée au moment de sa mort.
Donc, je ne vous ai pas parlé non plus du fonctionnement de l'étoile, mais parce que comme je présente l'étoile d'un personnage chaque mois, je me dis que vous devez commencer un petit peu à vous repérer. Donc, les postes 7 et les postes 8 d'une étoile évolutive, ce sont les postes qui changent tous les ans. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'actualiser une étoile. Et donc, bien sûr, on l'a actualisée au moment de son décès. P7 avec l'arcane sans nom, donc je dirais que ça ne s'invente pas. Hein. Et puis P8 avec l'arcane du pendu, qui pour moi en tout cas est un arcane transgénérationnel. Donc si on étudiait le transgénérationnel de la famille Onassis, je pense ben, déjà qu'on aurait pas mal de travail, mais peut-être que ce décès prématuré est une manière aussi, voilà, de couper certains schémas de répétition ou couper certains fonctionnements de cette famille, comme tu l'as si bien dit, Catherine, cette famille digne d'une tragédie grecque. Alors, si vous avez des questions, que ce soit par rapport à l'étoile, ou alors par rapport au thème astrologique, eh ben c'est avec plaisir que nous pouvons y répondre. Visiblement, c'est une démonstration qui laisse sans voix. On retrouve bien le complément de l'étoile évolutive par rapport à l'astrologie, hein, où les choses se recoupent, ça se confirme mutuellement. Certaines choses, ça apporte même quelques précisions, quelques affinages. C'est ça qui est intéressant de travailler avec les deux outils. Ça apporte effectivement des nuances, des précisions qui sont toujours particulièrement intéressantes. Et puis c'est un émerveillement à chaque fois de voir comment l'étoile répond au thème ou inversement, bien sûr. J'aurais une autre. C'est Liliane, toujours. J'ai une autre question qui fait plus sur l'astrologie, parce que l'étoile évolutive, je ne maîtrise pas. Enfin, difficilement. Sur la barre de fortune, Catherine, qui est à 0 degré cancer et qui se trouve en carré à Saturne, est-ce qu'il y a quelque chose que à dire ou pas? Eh Enfin, bien, pour tout dire, je ne sais pas si on considère les aspects à la part de fortune. Oui, Ouais. on le fait. Je Je ne sais sais pas. pas. Ça peut. Moi, ça m'arrive de le faire. Oui, ben là, Je si on les voit, évidemment, c'est parlant de soi-même, hein. En Mais plus, c'est là, c'est c'est assez vraiment. serré. C'est Oui, serré alors. Mais en 0-1. même. Oui, c'est ça. En même temps, elle est bien et en même temps, elle est coincée. Moi, je le dirais comme ça, mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le lire, quoi. Les parts arabes, enfin, les parts, je ne sais pas Alors, ce n'est pas trop. la part de la fortune, hein, c'est la fortuna, C'est la part. c'est-à-dire sa Là où destinée. revient. Là où, oui. Ah oui, c'est aussi là. C'est la destinée. Ah Sa oui. destinée, et évidemment, Oui. c'est l'estime de soi encore un coup, avec Ouais. cette fortuna Oui. mise à Ah. mal par Saturne. Tu vois, ce Ouais. Saturne qui va On attaquer. peut Mais peut-être alors, le dire. bien que ce Voilà. soit hors signe, hein, enfin, pas Oui. signe à signe, ça cogne vraiment fort sur cette Vénus, c'est les 2 mètres de la balance qui cognent. Hein. Et puis, là, encore plus proche, encore plus fort, quoi, on n'a qu'un degré d'écart. Et donc, oui, c'est cette estime de soi Enfin, mise à quand on a mal. quelque chose qui est vraiment tout près, c'est au début d'un signe ou au début d'une maison, c'est toujours plus important. La fortuna, Moi, en latin, c'est la chance. je C'est le traduis aussi le par destin, oui. le destin. Et là où on est bien, là où on se sent, là Oui, où oui, on oui. est bien. Donc la famille, elle est en cancer. En fait, la famille, j'en sais rien. Mais il y a ce carré à Saturne qui m'interpellait parce que c'est presque exact. Oui, tu as raison. J'y avais pensé, mais je me demande si on peut jouer avec les aspects sur la part de fortune. Je me demandais. Ben, moi aussi, j'en sais Enfin, là, rien. c'est parlant, hein. Tu as raison, c'est bien parlant Ça pour ce cas-là. Bah pourrait oui. voir sur plusieurs autres thèmes pour voir si ça se vérifie. Oui. Voilà. Madame, question. Mais c'est bien, c'est intéressant ça. Oui. Alors elle fait. S'il vous plaît, Oui. voilà, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que dans ce thème, on aurait pu éventuellement
Voilà, si cette Christina avait réagi différemment aux épreuves de sa vie, puisqu'on a le jugement du libre arbitre, est-ce qu'il y aurait pu y avoir changer cette donne qui était désastreuse en soi et en faire quelque chose de sublimé, hein, par aller dans la résilience peut-être, hein. Ok, il lui manquait l'amour de son père. Qu'elle a cherché désespérément dans d'autres hommes. Est-ce que ça aurait pu être autrement? Elle aurait pu se réaliser autrement? Est-ce qu'elle aurait pu... c'est ce que je me dis. Apparemment, on a quand même toujours notre libre arbitre, même si on retrouve plein de choses sur un thème. Est-ce qu'une autre personne avec un thème identique aurait pu vivre autre chose? Moi, Bien si sûr. l'analyser, je dirais oui. Oui. D'emblée, je dirais oui. Voilà. Oui. Oh ben oui. Complètement. On va sublimer, comme vous dites, le carré Vénus-Saturne. Ouais. Par exemple, il paraît que beaucoup de très, très belles femmes mannequins ont ce carré. Parce qu'elles ont dit, ben, puisque je me sens moche, ben, moi je me sens moche, puis il n'y a rien à leur dire, je suis moche, alors que donc je vais travailler là-dessus et je vais Ouais. devenir la plus belle du monde et elles vont toujours se sentir moches à l'intérieur. Pour leur confiance, et on pourra bien, ça ne sert à rien de leur dire quoi que ce soit, et beaucoup ont Vénus-Saturne au carré, justement. Et donc, elles le subliment. Allez, on va essayer de. C'est comme une brèche, et on va toujours essayer de la combler, et il n'y a rien à faire. Mais on va quand même essayer d'en faire quelque chose. Voilà, parce que, ok, mes parents n'ont pas fait attention à moi, ok, mon père ne me considère pas, etc. Oui. Et en même temps, je peux amener autre chose éventuellement à mes enfants. Hein, je peux me dire, ben, je peux aller à l'inverse de tout ça et aimer moi, mes enfants, aimer mon conjoint, faire un couple plus solaire, quoi, Mais prendre le contre-pied de tout ça. tellement évidemment, heureusement Ouais. que nos blessures n'écrivent pas forcément et systématiquement notre destin. Elles Exactement. vont l'orienter, mais après, c'est enfin, dans mes croyances à moi, c'est la manière dont on va réagir à Oui. nos blessures et c'est ce qu'on va en faire. Je crois que c'est Sartre qui disait, on peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de moi. Et Oui, ça, mais... c'est une phrase qui est tellement importante, parce que sinon, si on avait comme pensée ce côté fataliste ou dans tous les cas, le destin de Christina Onassis était prévu de s'arrêter le 19 novembre 1988, je trouve que la vie, elle serait insupportable. Et puis, je pense que c'est extrêmement important aussi de se dire que, oui, nos blessures d'enfant, dans tous les cas, on en a tous, mais qu'arriver à un certain âge, c'est notre responsabilité aussi de pouvoir justifier certaines choses de notre vie autrement que c'est la faute à papa, c'est la faute à maman. Et à un Exact. moment donné, on est responsable Oui. aussi de nos choix et de nos choix de la gestion des événements de notre vie. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi humainement qui est particulièrement important. Oui. Moi, je me demande si l'argent n'est pas quelque chose qui est venu troubler, parasiter toute Ah bah cette oui. possible résilience. Elle vivait pas comme nous déjà. Et puis je voudrais quand Oui. même dire quelque chose. Là, on fait un travail pour nous, c'est du velours, enfin pour vous aussi, c'est-à-dire qu'on est a posteriori. Donc, comme on connaît sa vie, enfin ce qu'on en connaît, moi j'ai pas envie, je la connais pas personnellement, bien entendu, mais du coup, enfin moi je fais comme, enfin ça me fait ça, j'oriente mon explication avec ce que je connais. C'est ça. Hein, j'oriente comme ça. Bon, elle avait une mère froide et une mère, etc. Mais peut-être qu'une autre personne, sa mère, elle sera un roc. Sa mère va battre pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce n'était pas le cas, quoique sa mère l'a quand même emmenée chez le pédopsychiatre pour vaincre le mutisme. Mais j'oriente mon interprétation avec ce que je sais, Bien de ce sûr. qu'on sait de sa biographie. Du coup, évidemment que c'est orienté, le père cavaleur, le père absent, la mère jamais là. Bon, et peut-être cette mère, ça aurait été beaucoup d'intuition, par exemple. J'en ai même pas parlé, le carré Lune-Vénus. Or, je l'ai seulement dit parce que d'après ce qu'on lit sur sa vie, la mère fiche le camp tout le temps. La mère n'est jamais là. La mère est absente. La mère est fuyante. Vous Alors, est-ce que voyez? je peux... vous Oui. m'entendez? Oui. 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 Alors, je peux me permettre d'appuyer ce que vous êtes en train de dire avec la position des nœuds.
puisque le nœud nord en maison 11 et le nœud sud en maison 5, pour ne pas me tromper, je vais lire le nœud sud en maison 5. C'est marqué, il est possible que votre éducation soit à l'origine d'un besoin de vous mettre en scène et de vous faire admirer. Des frustrations affectives peuvent être à l'origine de ce besoin d'amour à tout prix. Vous pouvez faire passer votre vie affective avant tout le reste, etc., etc. Et Oui. ensuite, le nœud nord, c'est important parce que c'est ce vers quoi elle aurait dû tendre pour contrecarrer un peu ce... pour sortir de cette destinée. La personne disait, est-ce qu'elle aurait pu faire autrement? En fait, oui, en développant son nœud nord vers la maison 11, en poisson en plus, l'universalité, la maison 11 tournée vers les autres. Et en maison 11, c'est marqué, le nœud nord en maison 11, bon, pas en poisson, mais en maison 11, vous amènera au fil du temps à comprendre la superficialité d'une vie basée sur la seule recherche de son prestige. Dérouté par des relations inconsistantes, vous vous tournerez sans doute vers des valeurs amicales ou amoureuses beaucoup plus fraternelles et profondes. L'engagement dans des projets de groupe vous permettront d'acquérir l'humilité et la satisfaction d'œuvrer pour quelque chose d'utile, sans faire des choses, sans attendre un bénéfice personnel, vous permettront paradoxalement de développer une estime sincère des autres et l'admiration que vous recherchiez tant. Donc en fait, il aurait fallu qu'elle soit mécène, C'est qu'elle ça, c'est œuvre. ce que je pensais. En Je pense vivant que, plus oui, longtemps, absolument. Je pense que oui. si elle s'était targuée vers des œuvres caritatives, etc., elle aurait été sauvée parce qu'elle aurait eu l'amour universel qui est le poisson, qui est Jésus. Je pense que là, Oui. il y aurait eu quelque chose où elle aurait pu être sauvée, en fait. Si elle Je suis s'était, si elle entièrement avait d'accord cherché, avec toi. si elle avait cherché l'amour du plus grand nombre et elle aurait comblé ce manque affectif qui apparaît en maison 5, puisqu'il aurait fallu qu'elle se détache de ce nœud sud pour tendre, pour grandir vers ce nœud nord. Je pense que là, la clé, elle aurait été là. Souvent, quand on se dit, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que c'est figé? Est-ce que c'est inscrit? Est-ce que c'est le destin? Voilà, c'est écrit. Eh bien, en fait, appuyons-nous sur les nœuds parce que les nœuds nous donnent la direction vers ce qu'on doit lâcher et ce vers où on doit aller. Elle est là, la clé. La clé pour changer notre destin, elle est là. C'est dans le nœud. Je pense, hein, je me permets Non, mais d'intervenir tu as là. bien raison, tu as tout à fait raison. Complètement, et qui est tout à fait conforme à Tempérance au poste 17, qui est le poste de guérison. Donc, Tempérance, bien évidemment, tellement en analogie avec le signe des poissons. Oui. Et Tempérance va nous parler aussi de la communication du collectif. Et elle qui avait tellement besoin d'amour, au lieu de se restreindre à l'amour homme-femme, mais si elle avait ouvert son cœur à l'amour du collectif, elle aurait été complètement rassasiée de son immense besoin Absolument. d'amour. Et elle aurait pu, elle avait l'argent, elle avait comment le avec voilà, elle était connue, populaire, etc. Elle avait des planètes Avait bien placées. tous les Ouais, moyens, oui. Elle Si elle s'est s'est restreinte. restreinte. Oui, ouais. Merci mesdames, c'est top de chez top. Vos explications à toutes, franchement, merci beaucoup. Je Bravo, conclurai cette bravo, bravo. discussion en disant qu'elle avait vraiment dû consulter un astrologue. Elle avait l'argent pour ça. En plus, L'astrologie, ça. Mais Et bon, puis. c'est facile, nous, après coup, comme dit, Oui. elle est morte, on connaît sa vie, etc. C'est très facile de pouvoir targuer là-dessus. Je ne suis pas sûre qu'on aurait trouvé la solution avant. Et quand on fait les thèmes des personnes vivantes ou mortes, on ne les connaît pas en plus. Alors, on y va un peu des fois avec des pincettes, d'abord par respect pour elles, hein, parce que les vivants, ils n'ont rien demandé du tout de se retrouver disséqués comme ça un jeudi soir. Ils n'ont rien demandé. Et puis, on n'y est pas en même temps. Hein, on voit ce qu'on voit sur le thème astral, mais quand même, le témoignage vivant n'y est pas, c'est certain. Et alors, la maison 5-11, c'est l'amour donné et en face, l'amour reçu. C'est ce que Oui. vous envoie l'univers. Les cadeaux du ciel, la maison 11. Alors, il fallait qu'elle accepte les cadeaux du ciel et qu'elle accepte ce qu'elle recevait. Oui, elle Hein? aurait dû tendre vers la spiritualité. Mais Voilà. tellement. Réaliser dans la spiritualité. Exactement. Et elle voyait son malheur, ma mère qui m'aime pas, j'ai des cernes, je suis. Enfin, voilà, Elle elle était tournait trop autour focus d'elle. sur elle-même. Ouais. C'est ça. Ouais. Trop focus sur Alors qu'elle a parce quand qu'elle a même. Oui.
Une La majorité maison de Dieu est un planètes. arcane de spiritualité et il est posé à son abondant. Donc en fait, son abondant, c'était d'élever son regard. Et ça, c'est vraiment une marque transgénérationnelle chez les Onassis, puisque sur cette lignée-là, amoureux, maison Dieu, on se laisse affecter par l'amour au lieu d'élever son regard et de tourner les yeux vers le ciel. Et pour elle, c'est son abondant. Donc la réponse était vraiment là. C'était Et du alors coup, toi? Onassis, oui, il Oui, n'était pas pardon. spirituel, il était superstitieux. C'est Et pas alors, des fois, pareil, hein. ouais, des fois, souvent, on dit les trigones, c'est chouette quand il y a des trigones, des sextiles, des machins. Mais quand on regarde son thème, on voit que les trigones sont en maison de terre, je crois. Hein, c'est Mmh, oui, Terre, Capricorne, oui, Taureau. les deux, Donc, en Mars, fait, ce on sont voit les. qu'elle est très enracinée et c'est ce qui a peut-être péché à sa prise de recul et à son élévation. Avec un ascendant en taureau très, très terrienne, avec un amas là, en Capricorne, avec voilà, de la Vierge, avec le Saturne. Et justement, le problème du trigone, des sextiles, quand il y a des beaux aspects comme ça, c'est que la personne ne lutte pas, il n'y a pas d'opposition de carré, elle ne va pas forcer, elle ne va pas souffrir de ça, ce sera facile en fait. Les choses lui sont venues facilement. Elle a eu de l'argent, elle a eu. La vie facile. Donc, elle n'a pas eu ce besoin d'aller chercher une réponse spirituelle. Elle a Oui, eu. c'est qu'elle a cette grande croix fixe, hein, Verseau, Oui, Lion, c'est Taureau, ça. Oui, qui aussi. aussi, ce n'est pas Absolument. facile d'en sortir de cette croix fixe. Oui. Bon, voilà, alors, mais c'est vrai qu'on oriente toujours l'interprétation avec ce qu'on sait. Hein, voilà. Et alors, le thème, un jour, je ferai celui de Margaret d'Angleterre, mais comme elle est née en août, on n'a jamais raconte-moi en août. Donc, elle passe jamais. Les gens qui sont cancer Lion, on ne les fait pas puisqu'on n'a pas le. On pourrait faire un été d'ailleurs, mais on prend un répit. Vous prenez un répit aussi. Mais Et puis il me les semble. cancer Lion, on ne les fait jamais du coup. Ouais, puis en Attends, plus, fais deux. Il me fait il me deux semble par que mois. Margaret Un. d'Angleterre est née en 62, Oui, en il me août. semble, hein, en août Oui. 62. En plus, elle est lion-tigre en signe Ah. chinois. Donc, Oh. voilà, il y a aussi des corrélations avec le tigre, la chance. Donc, si elle a des bonnes positions planétaires, etc. Il y a aussi très Yang, en fait. Elle a un thème sensationnel. Un thème, vraiment, c'est assez curieux quand on voit son thème. Bah, Tout à fait et remarquable puis au les tigres, départ. ils ont beaucoup de chance. Ah. Ah. Bon. Moi, je suis singe de feu, donc je suis très futée. Voilà. Oui. Alors, je suis Singe de singe de feu. terre. Ah, c'est Je bien suis aussi, c'est. mai 68, moi. Ah oui, ça peut pas être Ouais. facile. La D'accoucher en mai révolution. 68, ça n'a pas dû être simple. Ouais. Bon. Eh bien, c'est bon. Vous avez. Ah là là, on est toujours en train d'enregistrer. Est-ce que j'arrête l'enregistrement? Oui, tu peux, hein. Alors, attends, je ne sais pas où c'est. Ah oui, c'est là. Bon, ben alors, je vais l'arrêter, l'enregistrement.